Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Nous sommes en direct sur France 2 comme tous les vendredis. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour cette semaine spéciale consacrée aux personnes invisibles, à celles et à ceux que notre société ne veut pas voir, à celles et à ceux à qui on ne donne jamais la parole. Aujourd'hui, cette parole, justement, nous allons la donner à Aline, Christophe et Zita. Tous les trois ont été victimes de ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne. Oui, nous parlons bien d'esclavage en France en 2021. Ils ont vécu l'innommable. Ils ont été isolés, exploités, violentés, déshumanisés par des employeurs sans scrupules qui leur ont enlevé ce qu'ils avaient de plus précieux, à savoir leur liberté et leur dignité. C'est aujourd'hui la tête haute, cette dignité et cette liberté retrouvée qu'ils sont venus nous raconter leurs histoires. Trois histoires que nous ne sommes pas prêts d'oublier tant elles vont nous bouleverser. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous. Je me permets, Natacha, pardon, de saluer d'abord donc Aline, Christophe et Zita. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de venir nous parler de votre parcours douloureux, certes, mais rempli d'espoir. Et je sais que c'est aussi le message que vous êtes venus transmettre à nos téléspectateurs et je vous en remercie. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui sur le plateau. D'abord, Natacha Espier, notre psychologue que vous connaissez bien. Et à ses côtés, Marc Gégère, notre avocat pénaliste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci également d'accompagner nos invités avec votre bienveillance que l'on connaît. On connaît également votre bienveillance à la maison. Alors surtout, n'hésitez pas à faire passer vos messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Surtout, n'hésitez pas, le hashtag c'est CCA. Et évidemment, on diffusera vos messages et vos commentaires tout au long de cette émission. Alors on va commencer avec vous, Aline. Vous êtes venue accompagnée de deux personnes, je crois, qui sont chères à votre cœur. Oui. D'abord, Natacha, l'une de vos très bonnes amies, mais également vous, Dominique Torres. Bonjour, Dominique. Bonjour. Vous êtes membre du comité contre l'esclavage et je crois qu'aujourd'hui vous êtes devenue également une amie d'Aline et c'est à ce titre que vous venez aujourd'hui l'accompagner. L'histoire, Aline, que vous venez nous raconter est absolument bouleversante. Pendant une grande partie de votre enfance, vous avez donc été victime d'esclavage domestique. Ça s'est déroulé en France dans les années 90. Ça a duré combien de temps, Aline, votre calvaire ? 8 ans. 8 ans. Et c'est quoi la pire chose que vous ayez vécue pendant ces 8 ans, Aline ? C'était surtout les coups. Oui. Les coups. Vous avez été violentée physiquement ? Physiquement, oui. Pendant 8 ans ? Pendant 8 ans, oui. Et des violences psychologiques ? Oui, aussi. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée en France ? Parce que je crois que les premières années de votre vie, vous les avez passées en Côte d'Ivoire, c'est votre pays d'origine ? Oui, en Côte d'Ivoire, chez mes parents. Ouais. Et je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a menée en France ? Alors, France ? Du coup, ma tante qui vivait en France est venue en Côte d'Ivoire en disant à mon père qu'elle voulait me mettre à l'école. Elle disait à mon père, écoute, je sais que l'Afrique, vous êtes bien, parce que mon père avait une bonne situation, il était instituteur et on était bien. Du coup, elle a dit à mon père, ben, écoute, je sais que vous êtes bien, mais la France aussi, c'est super. Et puis, j'ai envie d'amener ma nièce en France, comme ça, elle fera ses études en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de la France, c'était... Mais maintenant, je pense que c'est super. Oui. Et mon père a dit, ben, écoute, c'est ta nièce, tu peux l'emmener. Et puis, si elle fait ses études en France, ça sera encore super. Vous la connaissiez, cette tante ? Je ne la connaissais pas personnellement. Je la voyais ponctuellement parce qu'on avait une tata en France. Donc, quand elle venait, elle nous ramenait des petits cadeaux. Elle était très gentille. Donc, elle venait, nous disait bonjour. Mais c'était tout. En général, on ne restait pas avec les adultes. C'était quel genre de femme, cette tante ? Gentille. Elle était gentille. Oui, c'est vraiment ce que vous me dites. De ce que je voyais quand elle venait en France, quand elle venait en Côte d'Ivoire, pardon, quand elle venait nous voir, elle était très gentille. Elle nous ramenait des cadeaux. On disait bonjour, tata. Et puis, on était contents de dire à nos amis, nos tata, ils viennent de la France et tout. Ça faisait... Vous étiez en confiance, en fait. Oui. Et votre père, lui aussi, c'est pour ça qu'il a accepté que vous partiez en France. Oui, et puis moi, mon papa, c'était mon Dieu. J'avais beaucoup confiance en papa. Alors, tout ce qu'il me disait... Vous le faisiez. Ça me faisait de la peine de partir de l'Afrique, de quitter mes parents. Mais quand papa a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, elle te mettra à l'école et tu viendras nous voir après, quand tu seras plus grande. Donc, oui. C'était une chance, en fait, pour vous. Quel souvenir vous avez de votre arrivée en France ? Alors, quand on a pris l'avion, tout s'est très bien passé. Et puis,
tout était génial, de l'Afrique jusqu'à avant qu'on arrive chez elle à la maison. Donc tout s'est très bien passé. Une fois qu'on est arrivé à la maison, elle m'a dit j'ai dit à ton père que je te mettrai à l'école, mais il est hors de question que tu ailles à l'école parce que j'ai dit pour que tu sortes de l'Afrique. Mais moi, chez moi, tu es là pour t'occuper de la maison. Tout de suite, d'emblée, elle vous dit ça? D'emblée, oui. Une fois qu'on est rentré à la maison, parce que je pense qu'elle a voulu me le dire directement pour pas que je lui dise tata, quand est-ce que. Parce que son mari, il avait déjà 4 enfants. Ouais. Qui était un peu plus âgé que moi. Et elle, elle en avait 2 de bas âge, 4 ans et 3 ans à peu près. Mais vous aviez 8 ans à l'époque. Est-ce que vous avez compris que vous étiez en train de tomber dans un guet-apens? Non, je pense qu'à 8 ans, on ne comprend pas tout, au fait. Eh oui, vous on fait parce qu'on nous dit de faire, mais on ne comprend pas tout. Donc elle vous dit, tu n'iras pas à l'école. Elle m'a dit, tu n'iras pas à l'école. Tu vas t'occuper de la maison. Tu vas t'occuper de la maison, tu vas t'occuper de tout ce qu'il y a à la maison, des enfants. Des 4 enfants, donc. Des 4 enfants de son mari. Et elle, elle avait 2 enfants. 6 enfants ? Oui, elle avait 2 ans. Elle avait 2 enfants avec son mari de 4 ans et 2 ans et demi à peu près, je sais pas. Et donc à 8 ans, elle va vous donner la responsabilité de 6 enfants ? Oui. Donc je m'occupais de la maison, je lavais le linge. Alors attention, parce qu'elle me disait, attends, on est en France, l'eau chaude, ça coûte cher. Donc le linge, tu vas le laver avec de l'eau froide. Parce qu'il est hors de question que tu touches à l'eau chaude. Vous laviez le linge à la main ? Oui, le linge de tout le monde à la maison. Oui. Mais ça vous prenait des heures. En plus, à 8 ans, on n'est pas grande pour laver les draps, tout ça. C'est même compliqué physiquement. Je le mettais dans la baignoire, puis je lavais. Après, elle me disait de faire. Donc, je faisais tout ce qu'elle me disait de faire. Et quand ce n'était pas bien fait, ben, je prenais des coups. C'est-à-dire que tout de suite, elle n'a pas continué à jouer la gentillesse apparente. Non, une fois qu'on arrivait à la maison, non. Elle s'est transformée. Oui, j'ai vu une autre personne. Mais bon, après, c'est vrai que après, je me suis dit, c'est peut-être normal qu'il faut que je n'ai pas le choix, il faut que je fasse. Bien sûr. Vous ne pouviez pas prévenir vos parents? Ah non, pas du tout, parce que j'étais très jeune. Et puis, de toute façon, elle me disait, de toute façon, c'est moi, j'appelle ton père, je dis tout va bien. Donc, à partir du moment où je lui dis tout va bien, tu n'as pas besoin de l'avoir au téléphone. Bien sûr. Donc, je n'avais plus de lien une fois que j'étais arrivée en France. Quel cauchemar. À quoi ressemblaient concrètement vos journées, vos horaires, du haut de vos 8 ans, vos semaines même? Je pense qu'il n'y avait pas d'horaire, au fait. C'est-à-dire, si un enfant pleurait la nuit, elle me disait, tu vas t'occuper du biberon. Alors, je pense qu'elle était déjà enceinte avant que je vienne. Donc, quelques mois plus tard, son ventre a commencé à grossir. Donc, après, des mois plus tard, elle a eu un enfant. Donc, je me levais le matin. Elle me disait, tu nettoies la maison, tu fais les biberons. Donc, dans la nuit, vers 3h, 2h du matin, c'est moi qui arrivais, j'allais chauffer les biberons. Et je rangeais. Toute la journée, en fait, je faisais ça. Du matin jusqu'au soir, il n'y avait pas d'horaire spécialement. Je nettoyais la maison, je faisais les biberons la nuit, je faisais à manger. Et quand, par exemple, elle me disait de faire un plat qui n'était pas bien fait, le balancer par terre, elle me disait, tu vas recommencer parce que ce n'est pas bon. Donc, je recommençais. Et après. Et vous dîniez avec eux? Vous déjeuniez avec tout. Eux? Non. Est-ce qu'elle vous considérait malgré tout comme un membre de la famille, même si elle vous. Je sais tyrannisait? Pas, parce que je mangeais les restos, en fait. Moi, je ne mangeais pas en même temps qu'eux. Vous les preniez où, vos restos? Vos déjeuners? Dans la cuisine. Quand ils avaient fini de manger, je débarrassais, je nettoyais, je mangeais les restes. S'ils restaient, bien sûr, je mangeais les restes. C'est-à-dire, vous dormiez où? Alors, je dormais dans la chambre, mais par terre, dans la chambre des enfants, par terre. Sur du carrelage avec des vêtements, parce qu'elle me disait de toute façon en Afrique il fait chaud, tu n'as pas besoin de couverture, et puis de toute façon les lits c'est pour mes enfants, c'est pas pour toi. Donc je dormais par terre et je prenais des vêtements pour me couvrir. Donc, voilà. Vous craquiez parfois? Je pleurais beaucoup, j'avais qu'une envie, c'était de retourner en Afrique. Je pleurais énormément, je pleurais tous les jours. Je n'avais jamais vu ça auparavant parce que je pleurais tous les jours. Vous vous sentiez seule, hein? Très seule. Des fois, j'avais qu'une envie, c'est que je ne me réveille pas, au fait. Parce que ça recommençait tous les jours. Donc, c'est très compliqué. Vous avez souhaité mourir? Aussi, vous y avez oui. pensé? Oui. En fait, mourir, je ne sais pas si à mon âge, je pouvais dire mourir, forcément, mais je ne voulais plus me réveiller, au fait. Oui, je comprends. C'est fou parce que je vois votre amie Natacha, pour qui c'est presque aussi insupportable, plus insupportable d'entendre ce que vous nous racontez. C'est dur, Natacha, vous la connaissez, cette histoire, mais c'est insupportable toujours pour vous. Et on va voir, Natacha, à quel point vous êtes une figure maîtresse de sa reconstruction. Ouais. Par le hasard. Oh, le hasard est très bien fait dans votre histoire, néanmoins. Vous me parlez de coups depuis tout à l'heure. Il y a des mouchoirs, si vous voulez, derrière. Tenez.
Tenez, tenez. Ça commence bien. Merci. Ça commence bien. Ouais, tu m'étonnes. On a beaucoup de messages, beaucoup de tweets de personnes qui soulignent à quel point vous êtes fortes, qui sont fières de votre témoignage, qui sont heureuses que vous partiez haut cette parole si importante, cette parole si précieuse. Vous êtes courageuse, hein ? Je sais pas. Ah bah moi, je vous le dis. Oui, complètement. Christa, vous êtes d'accord ? Ah ouais, complètement. Vous me parlez de coups depuis tout à l'heure, Aline. Est-ce que les coups se sont accélérés et se sont amplifiés au fur et à mesure des années ? Est-ce que vous avez été de plus en plus maltraitée ? Oui. Au départ, elle me tirait juste les oreilles. Elle me tirait, elle me poussait quand quelque chose n'allait pas. Après, c'était vraiment des coups. Alors, après, c'était surtout quand elle était enceinte, parce que presque tous les ans, elle était enceinte. Elle attendait des enfants tous les ans. Donc, quand elle était enceinte, c'était encore pire. Pourquoi ? Ben, parce qu'elle était encore plus en colère quand quelque chose n'allait pas, quand ce n'était pas fait comme elle voulait, quand le repas n'était pas fait comme elle voulait, quand la maison n'était pas nettoyée comme elle voulait, je prenais des coups. C'est fou parce que cette femme qui avait tant d'enfants autour d'elle était donc dénuée de tout instinct maternel vous concernant. Parce qu'elle me disait deux fois, de toute façon, toi, tu es née en Afrique, tu n'as pas le droit de faire comme mes enfants qui sont nés en France. Donc, voilà. Et lui, comment il se comportait ? Son mari, oui. Bah, il ne disait pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, là, par contre, quand sa femme allait au travail, il commençait à me... Il était à moitié... Pas très bien... À moitié dénudé, il pouvait être en culotte dans la maison à se balader. Donc, du coup, moi, je me mettais toujours dans un petit coin pour éviter de le voir. Et il me disait, tu peux me donner ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je dis, d'accord, tonton, je lui donnais et tout, je revenais. Et puis, des fois, il voulait me toucher. Alors, moi, je m'éloignais un peu. Je disais, non, non, non. Et quand ma tante arrivait le soir, je disais, voilà, quand tu n'étais pas là, tonton, il a voulu me toucher. Elle me dit, c'est faux. Donc, je prenais encore des coups. Elle me tapait, elle me disait, c'est faux, t'es une menteuse et tout. Il n'a jamais voulu. Donc, je prenais des coups. Et puis, au fur et à mesure, comme à chaque fois que je lui disais, je prenais des coups, il y a des moments, je ne disais plus rien. Mais quand il voulait me toucher, je me poussais, au fait, je me dépadais. Donc, J'ai du mal à imaginer à quoi vous êtes ou à qui vous vous êtes accroché pendant toutes ces années dans votre solitude extrême. C'est fou ce que vous avez vécu pendant... C'est plus que dur, en fait. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir le coup ? Quel espoir continué à nourrir ? Je me disais, une fois que tout ça c'est fini, je rentrerai voir mon père. Au fait, je vais retourner en Afrique. Je veux plus... Pour moi, la France, c'était pas... Je voulais retourner chez moi. Bien sûr. Je pense que c'est ce qui me motivait. J'avais envie de voir mon père, voir ma famille. Et je me disais, j'espère qu'un jour, ça va finir pour que je rentre chez moi, au fait. Votre papa, il pensait que vous étiez... Il pensait toujours que vous aviez tellement de chance d'être venue en France. Mon père, il pensait que tout allait bien parce que ma tante, elle avait fait une chose bizarre. C'est qu'elle avait la fille de son mari, qui avait 13 ans à l'époque, donc qui allait à l'école. Elle avait pris mon laissez-passer et au fait, elle avait pris mes pièces d'identité, laissez-passer ou je ne sais pas quel papier, mon papier d'identité. Oui. Et puis, elle mettait ma photo dessus et c'était les bulletins de l'école, c'était les bulletins de sa belle-fille qu'elle emmenait à mon père en lui disant que j'étais à l'école, au fait. Elle faisait des faux bulletins scolaires pour rassurer votre père. Et donc, père. Papa, il était content, lui, pour lui, j'allais à l'école. Donc, elle lui disait, après, elle me disait, ton père a appelé, mais je lui ai dit, t'inquiète pas, tu étais à l'école et que... Et au fait, elle emmenait des bulletins avec ma photo dessus. Donc, pour lui, j'étais heureuse, j'étais bien, parce qu'elle lui disait que tout allait très bien. Et personne extérieur à cette famille n'était le témoin de ce que vous viviez, du cauchemar que vous enduriez. Il y avait personne qui venait à la maison. Et puis, quand les gens venaient, de toute façon, moi, j'étais pas dans le salon, ni à part servir, peut-être servir la nourriture, servir quelque chose, mais après, j'étais tout de suite... Vous étiez cachée, vous étiez... Oui, j'étais pas... Sûr. Vous, Natacha, vos parents étaient amis de ce couple dont on parle depuis tout à l'heure. Enfin, ma mère fréquentait sa tante, oui. D'accord, vous étiez une connaissance. C'est ça. Et pourtant, vous allez jouer un rôle primordial dans la délivrance d'Aline. À quel moment vous ou votre maman s'est rendu compte du cauchemar que vivait cette jeune fille ? Alors moi, j'ai toujours trouvé la situation d'Aline un peu particulière. Je ne comprenais pas trop et je n'osais pas lui poser la question. Et surtout, quand on était chez sa tante, en fait, elle était toujours affairée dans la cuisine et elle n'était pas avec nous, en fait. Donc, je n'étais pas vraiment en relation avec elle.
Et un jour, ma mère est partie visiter sa tante. Et ce jour-là, il y avait un gros, gros problème avec Aline. Et du coup, ma mère a proposé de prendre Aline à la maison quelques jours, le temps que ça se calme. Et en fait, Aline est arrivée à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a vraiment raconté les choses. Et j'ai découvert vraiment son histoire, quoi. Parce qu'auparavant, elle m'en avait pas parlé. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'étais choquée. J'étais... Je comprenais pas, quoi. Je me disais, mais enfin, comment c'est possible de se comporter comme ça ? Comment on peut prendre un enfant et demander à cet enfant de gérer une maison comme un adulte et sans amour en retour, sans s'occuper d'elle, quoi, en fait. Mais bon. Mais elle a dû repartir après dans cette famille ou vous êtes restée, vous l'avez gardée chez vous du coup ? Elle est restée trois jours chez nous. Oui. Et en fait, sa tante a commencé à faire un scandale. Elle venait dans la nuit pour récupérer Aline et pour que Aline rentre à la maison. Et en fait, Aline ne voulait pas rentrer. Du coup, ma mère a dit bon, elle va rester un peu ici, on va la ramener. Elle essayait de calmer le jeu, oui. Voilà, on va la ramener. Mais je sentais que ma mère commençait à fatiguer de l'histoire, de ce qui se passait. Mmh. Et je sentais que ma mère, elle allait dire à la tante, bah, ok, récupère ta nièce. Elle allait lâcher votre maman. Ouais, je sentais. Et je me souviens, ton père avait dit, parce que comme le mari de ma tante avait essayé de faire des tentatives d'abus sexuels, et du coup, je me souviens, ton père avait dit, si jamais Aline retourne là-bas, la loi française, c'est que si jamais quelqu'un a essayé d'abuser de toi, qu'il n'a pas réussi. Mais si toi, de ton propre gré, tu retournes chez lui et qu'il abuse de toi, c'est toi qui as tort. Donc, du coup, il m'avait... En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'il avait dit. Donc, il m'avait complètement... Non, pas du tout. Donc, lui, il avait dit la situation est très grave, ça ne sert à rien qu'elle retourne là-bas parce que ça va être pire encore. Alors, il est peut-être nécessaire de dire que c'est faux. Ah oui, heureusement, c'est totalement faux. Et souvent, le signe de l'emprise, c'est l'impossibilité de s'en sortir et de s'en extraire. Oui, donc, plusieurs fois, regardez les enfants dans les abus intrafamiliaux, retournent chez le beau-père, retournent chez l'oncle, même si c'est un abuseur, parce qu'on imagine toujours que ça va bien se passer et qu'il va être gentil. Donc, le fait de retourner ne vous confère aucune responsabilité, vraiment. Mais pour lui, retourner, ce n'était pas une bonne idée. Par contre, je comprends. Pardon de cette question, mais vous les aimiez, quelque part, quand même. Vous les appelez tonton et tata, ce qui est fou, quand même. Hein. Oui. Ils vous obligeaient à continuer à les appeler par ces noms-là. Est-ce que ça restait votre famille ? Est-ce que vous étiez sous une telle emprise que vous disiez peut-être que c'était, quelque part, votre normalité ? Je pense que je ne m'en rendais pas compte. Je pense que c'était... En Afrique, on a vraiment le respect aussi. Hein. C'est-à-dire que... Des aînés. Des aînés. Donc, une personne adulte, on dit tonton, tata, on ne dit jamais les prénoms des gens. Ça ne se fait pas. Donc, du coup, pour moi, c'était... Voilà. Même si j'étais battue, même si j'étais maltraitée, même si j'étais... Du coup, les enfants s'y mettaient aussi, hein, parce que ce n'était plus que mon oncle et ma tata, c'était que... Les enfants dont vous vous occupiez depuis qu'ils étaient petits. Mais au fait, le fait de voir ce qui se passait, eux aussi, ils en profitaient. Donc, tout le monde, deux fois, il me demandait un verre d'eau, il pouvait me le balancer parce que, parce qu'il voyait au moins ce qui se passait. Même des enfants ont tous participé à un lynchage, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Peut-être eux, inconsciemment, je ne sais pas, mais bon. Ils reproduisaient ce qu'ils voyaient. Voilà, ce qu'ils voyaient, oui. Qui a utilisé le mot, un jour, d'esclavagisme ? Qui a ouvert les yeux d'esclavage ? Qui a ouvert les yeux sur ce que vous viviez vraiment ? C'est vous, Natacha ? Oui. Quand tu lisais le journal avec ton père, tu peux l'expliquer ? À quel moment ? En fait, j'étais dans une salle d'attente et il y avait un magazine sur la table basse. Du coup, magazine Elle, enfin, si je peux le dire, je ne sais pas. Non, mais on s'en fiche. Et du coup, je tombe sur un article qui traitait de l'esclavage moderne, en fait. Ouais. Moi, je ne connaissais pas. Je lis donc cet article et je me dis, mais c'est fou, ça. C'est l'histoire d'Aline, quoi, en fait. Et en fait, c'est violent, en fait, de se rendre compte de ça, que finalement, ce que tu vivais, ça portait un nom. Oui, et un mot si barbare, bien sûr. L'esclavage. Et donc du coup, j'ai donné cet article à mon père. Et c'est lui, en fait, qui a pris contact par la suite. Qui a pris contact avec qui ? Avec le magazine Elle. Oui. Et par ce biais-là, avec le comité... de lutte contre l'esclavage. Et c'est là où vous avez rencontré Dominique, qui est avec nous. Dominique, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Vous allez me raconter aussi la suite de votre histoire ensemble.
On a beaucoup de messages hein, de personnes qui sont absolument estomaquées par ce que vous nous racontez, et surtout en 2021, qu'on puisse entendre encore parler de ces histoires. Dominique, vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Aline et oui. ce que vous avez ressenti ? J'étais fondatrice du comité contre l'esclavage moderne, et c'était la fête de Noël, la première année. Et je me souviens parce que Aline est arrivée avec votre papa, je crois. Et je me suis retournée, il y avait beaucoup de filles, parce que le cas d'Aline, on avait une trentaine, hein, Zita aussi, et il y avait une trentaine de filles, quelques garçons, mais surtout des filles à ce moment-là. Et ce qui m'a frappée, c'est sa tristesse. La fille qui est rentrée était ravissante, mais elle était tellement triste, et pourtant vraiment des filles tristes et des filles avec des histoires très lourdes, on en voyait vraiment beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, sa tristesse m'a frappée, et je dis, mais c'est qui ? On me dit, elle vient d'arriver, et on m'a un petit peu raconté en quelques mots son histoire, c'est comme ça qu'on s'est connus. En tout cas, la fête de Noël, tu te souviens ? Voilà. Mais même là, en entendant ce qu'elle raconte, une grande partie de l'histoire, je ne la connaissais pas. Pourquoi ? C'est fou, pourquoi ? Parce que je connaissais par bribes, et je n'étais... D'abord, on avait un enquêteur, et l'enquêteur faisait le travail que vous êtes en train de faire un peu, c'est-à-dire de poser des questions. Moi, mon travail en tant que fondatrice, ce n'était pas de leur poser 50 questions. C'était de les accompagner. C'était de les accompagner, de les mettre à l'aise, et au contraire, de créer un vrai rapport, pas d'être en train de... Donc, il y a des choses que je... Pour... Même aussi bien pour Zita, d'ailleurs, pour d'autres. Que vous découvrez encore que je découvre tout le temps. Vous avez prévenu sa famille là-bas, son père, vous avez prévenu ? Alors, il se trouve que j'étais grand reporter à France 2 et je suis partie faire un sujet sur l'amour en Afrique, un documentaire. Et Aline, dix fois, il faut que tu vois mon oncle, il faut que tu vois mon oncle. Absolument, je veux que tu vois mon oncle. Elle était obsédée par son oncle. Et puis, elle avait très très peu d'argent et je me souviens que j'avais été très émue par elle parce qu'elle avait mis de l'argent de côté pour acheter une paire de chaussures en cuir. J'insiste sur en cuir pour son oncle. Mais elle ne savait pas la taille des chaussures de son oncle, donc c'était un peu compliqué. Et finalement, je ne me souviens plus si c'est moi qui ai apporté les chaussures dont tu les as envoyées par la poste et ce n'est jamais arrivé. Voilà. Et du coup, je suis allée voir l'oncle. Et effectivement, j'ai déjeuné avec l'oncle, qui était très bien. Je lui ai expliqué... ce qu'elle vivait. Ce qui s'était passé. Il ne disait pas grand-chose. Je crois qu'il était quand même très bouleversé, mais il était très, très embêté. Je crois que c'était sa sœur. J'ai eu l'impression d'être face à quelqu'un qui était très embêté et qui est très culpabilisé en même temps. Il disait, mais j'aurais pas dû, j'aurais pas pu. Et ben, bon, voilà. Mais, parce que moi, je me rappelle, quand je suis arrivée au comité, moi, j'avais une envie au fils, c'était de rentrer en Afrique. Je ne voulais pas rester en France. Et du coup, j'avais demandé à rentrer. Et je pense que par rapport au comité, j'avais eu le téléphone de mon oncle. Et mon oncle m'avait dit, ton père est décédé. Tout le monde est décédé. Autant que tu restes là-bas. Et qu'on te fasse tes papiers. J'ai dit, mais moi, j'ai envie de rentrer. Je ne veux plus rester en France. Votre père n'a jamais su, en fait. Non, mon père est décédé. J'ai encore le souvenir quand mon père est décédé. C'était en 95. J'étais encore chez elle. Elle est venue me voir en me disant, de toute façon, ton père est décédé. On s'en fout. Il est mort, et puis c'est tout. C'est comme ça que vous avez appris la mort de votre père. Oui, je t'ai effondrée. Donc, vous avez porté plainte ? Alors, j'ai porté plainte, et la suite, c'était juste que eux m'ont demandé pardon, mais après, comme ça fait tellement longtemps, je sais plus. Il y a eu un procès, parce que vous avez porté plainte accompagnée de Dominique et de Natacha. Est-ce qu'il y a eu un procès ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu une juste confrontation, mais le procès, non, je ne pense pas. Ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle plus. Personne n'a l'air de se souvenir du procès d'Aline. Donc je pense qu'il n'y a probablement pas eu, mais il faut comprendre qu'à cette époque, c'est ce que vous avez dit au début, et le mot invisible est absolument... C'est exactement ça. Personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Et donc, les premiers procès qu'on a eus, mais c'était hallucinant. On était en train d'expliquer aux juges ce que c'était que l'esclavage. Ce que c'était, et qu'ils ne croyaient d'ailleurs pas la plupart du temps, ou qui étaient très sceptiques. Donc, ça a été très compliqué de manière générale. Ça a changé, ça ? Ça a changé aujourd'hui ? Ça a beaucoup changé. Je veux dire, ça, au moins au niveau de la... Moi, je me souviens que quand je disais, en 94, que je m'occupais d'esclavage parce que j'avais... rencontrer des cas absolument épouvantables et qu'en montant une association, je me suis rendu compte que les cas venaient de partout, les gens riaient. Mais ils riaient en me disant « Ah, mais tu devrais m'interviewer, je suis l'esclave de ma femme. » Ça, c'était la grosse blague que je recevais d'habitude. Hein? C'est-à-dire, les gens ne comprenaient pas. Oui, on ne comprenait pas. Il y a des peines, il y a une peine qui a été prononcée envers eux quand même ou pas ? Pour le cas d'Aline, je ne pense pas. Je pense pas. Mais on a eu évidemment qu'il y a eu des peines de prononcer, il y a eu des jurisprudences, etc. Mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est quand même 20 ans après, 25 ans après, les peines sont incroyablement
minime. Mais que, ouais, genre, je voudrais, pardon, un exemple. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde a compris, le public comprend maintenant, si on dit esclavage moderne, un mot d'ailleurs que nous avons, c'est nous qui l'avons inventé, le mot esclavage moderne, ouais. Par opposition à l'esclavage enchaîné en Mauritanie, ils sont enchaînés en France ou en Europe par le fait qu'on leur prend déjà leur papier d'identité. Donc ils sont déjà enchaînés par ça. Les juges n'ont pas bougé, mais n'ont pas bougé. Et pourtant, la législation a changé. En 2013, on a réintroduit l'incrimination d'esclavage. Et ça, c'était une belle histoire. Avant, on se disait, c'est parce que l'incrimination d'esclavage n'est pas dans le code pénal. Bien sûr. Et en fait, non. Même quand on a changé les choses, les peines continuent à être aussi épouvantables. Un numéro, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent et qui se reconnaissent dans votre témoignage, Aline, et qui vont se reconnaître également dans les deux vôtres. 116 006, vous avez un doute, vous avez une question, vous vous interrogez, vous êtes en souffrance, vous n'hésitez pas, évidemment, à composer ce numéro, c'est absolument important. Marc, un mot quand même sur ce flou. C'est fou parce que Aline ne s'en souvient pas, on ne sait même pas si ces gens ont eu en effet une peine. Comme si son histoire n'avait pas existé. En effet, le mot invisible, dans votre cas, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Ça s'est terminé. Puis on ne sait pas si ces gens ont été condamnés. En fait, il faut bien comprendre que jusqu'en 2013, l'incrimination n'existe pas. Or, on est dans un pays d'application stricte de la loi pénale. C'est-à-dire que, ou bien il y a un texte qui incrimine un comportement et on punit, et s'il n'y a pas de texte, on est obligé d'essayer de raccrocher, finalement, ce qui s'est passé pour Aline, comme pour Zita, comme pour Christophe, à d'autres incriminations plus générales. Violence, mauvais traitement. Et en fait, si vous voulez, ça ne colle pas, ça ne collait pas. Et il aura fallu... En fait, l'esclavage moderne, c'est vraiment la démonstration de ce que le droit européen est capable de faire à l'intérieur des pays. Il faut bien comprendre que la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, en 2005 et en 2012, justement pour ne pas avoir d'incrimination spécifique à ce comportement, qui est un comportement dégradant et qui atteint les personnes. Donc à partir de là, alors que la France avait, je ne veux pas embêter tout le monde, mais la France avait ratifié une convention internationale qui disait qu'elle était contre l'esclavage en 2008, pour autant il n'y avait pas de loi jusqu'en 2013. Et en 2013, il va y avoir un grand coup porté par la législation française puisqu'elle va incriminer le travail forcé, la servitude et l'esclavage. Le travail forcé, c'est ce qui se passe lorsque c'est ponctuel, lorsque c'est permanent, ça devient de la servitude, et lorsque c'est organisé, ça devient de l'esclavage. Ce sont des peines, et je comprends très bien Dominique Torres, parce que les peines qui sont prévues vont jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, lorsqu'on parle de mineurs. Or, finalement, le cas d'Aline, c'est exactement ça. Et pour autant, c'est vrai qu'on obtient des décisions de justice qui sont des déclarations de culpabilité. Oui, c'est vrai, vous avez mal fait, mais pour autant, les sanctions qui les accompagnent sont souvent des sanctions purement symboliques, et ça plonge tout le monde dans une incompréhension totale. Dominique, on a une idée du nombre, juste une idée de chiffres aujourd'hui de personnes qui pourraient être victimes de cet esclavage moderne. Écoutez, les chiffres, il n'y a rien de plus compliqué que les chiffres. Évidemment, puisque s'ils sont invisibles, c'est par définition. Dans le monde, on parle de 50 millions. En France, le comité, je ne suis plus au comité, mais parle de 900 cas qu'ils auraient traités. C'est très, très compliqué. Je sais que déjà en 1994, le comité, en 3 mois, on avait 30 cas. Et les cas étaient, c'est horrible de dire, mais encore 10 fois pire que le cas d'Aline. Pour ça qu'Aline, elle choquait vos assistantes. Bon, elle a dit, mais moi, je ne suis pas un cas grave. C'est pour dire qu'elle n'est pas un cas grave. Et pourtant. Je voudrais seulement dire une chose, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et justement, depuis 2013, ça n'a pas changé. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si on peut faire passer un message, ça n'a pas changé. Les peines sont des peines avec sursis. Le même cas arrive aux États-Unis, les gens prennent 26 ans de prison, et chez nous, ils prennent 3 mois avec sursis. Presque mourir pour être entendu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ou presque mourir pour être entendu, en fait. C'est vous ce qui vous est arrivé, Christophe. Puisque vous auriez tout à fait pu en mourir. Donc on va en parler dans un instant. Aline, il y a beaucoup de messages qui nous demandent où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes reconstruite, heureuse ? Heureuse, reconstruite, grâce à ma famille aussi, à mes amis, à tout le monde. Vous avez des enfants vous-même aujourd'hui ? Oui, j'ai 3 enfants. Donc, un mari ? Oui. Aimant ? Aimant, oui, très gentil aussi, heureusement. Et puis, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, une de 17 ans, 12 ans et 10 ans. Et là, je viens de... J'ai c'est travaillé... une mère formidable. Non, mais je veux dire, c'est une mère formidable. Et j'ai travaillé en crèche pendant 14 ans. Oui, on a même un tweet qui nous arrive. Une maman
une maman voilà, qui nous explique que vous êtes occupée de sa fille en crèche. Oui, pendant et, elle s'appelle comment, me dit Marie. Et en effet, ça Marie, s'est affiché en bas de l'écran pour dire à quel point vous êtes une femme merveilleuse, mais qu'elle tombe des nues en découvrant votre histoire. Jamais, j'aime pas parler de moi, en fait. J'ai jamais, même, je pense que j'ai... C'est, alors, c'est bizarre parce qu'on est en 2021 et cette année, j'ai confiance en moi. C'est pour ça que j'ai voulu faire l'émission. Là, j'ai dit, je fais l'émission et je laisse tout derrière. Ha. Et du coup, j'ai fait. Oui, donc j'ai travaillé 14 ans dans la même crèche. Et après, j'ai fait 3 ans en école maternelle. J'ai travaillé 10 ans en maison de retraite. Et aujourd'hui, j'ai décidé. Je viens d'avoir mon agrément d'assistant familial. Je suis ravie parce que j'ai envie de m'occuper des enfants placés par l'ASE. Donc, je suis contente. Et tout va bien. Oui. C'est peut-être aujourd'hui, alors, le premier jour du reste de votre vie. On est tellement fiers de vous accompagner. Merci. On a une petite surprise pour vous et on va parler reconstruction avec Natacha. Regardez. Regardez cet homme si aimant dans votre vie. Non, c'est qui ? Bonjour chérie, je voulais juste te laisser un petit message d'amour. On a passé, pour l'instant, 18 ans dans notre vie ensemble. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Et je sais que tu n'as jamais regretté aussi. On a eu des vies comme tout le monde, des hauts et des bas, mais on s'est toujours, toujours facilité les choses. Et j'ai jamais trouvé des vies compliquées avec toi, parce que je t'ai toujours aimé. Et je sais que tu m'as toujours aimé. Donc, je voulais te dire que je t'aime vraiment du fond du cœur, que je t'aimerai toujours. C'est très beau ce qu'il vous dit, Stéphane. Adorable. Je savais ah oui, pas c'est... Que... C'est enregistré avant-hier. Très émouvant. Merci. Peut-on se relever ? La preuve que oui, j'allais dire, Natacha. Vous êtes émue aussi. Hein. Oui, c'était un beau message. Je suis très émue par votre histoire, effectivement. Merci. Et c'est un très beau message. Votre mari délivre un très beau message. Ben oui, heureusement qu'on peut se reconstruire. Et ça passe par quoi ? On ne guérit pas de cette histoire. Non. Néanmoins, comment on transforme ces cicatrices-là ? Voilà, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas qu'on guérit, c'est qu'on a ces cicatrices et on peut en faire quelque chose. Mais je pense que l'accompagnement est vraiment primordial. C'est ça qui va aider aussi à cette reconstruction. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être libéré pour que tout aille bien. Il faut qu'il y ait un accompagnement autour, à la fois un accompagnement social pour vous aider à avoir une formation, pour éventuellement faire des démarches juridiques, parfois pour donner des cours de langue, et puis un accompagnement psychologique, justement, pour que vous puissiez pouvoir surmonter. Alors, c'est terrible comme mot, parce que ça paraît insurmontable, mais heureusement qu'on peut surmonter, qu'on peut faire quelque chose de ces épreuves, c'est ce que vous semblez dire, d'ailleurs. Le comité nous a beaucoup aidés, hein. C'est-à-dire oui, j'imagine. Au comité, ils étaient les bénévoles, parce que c'était pas évident, puisque personne ne croyait à nos histoires, et du coup, le comité, les bénévoles nous aidaient pour des formations, nous accompagnaient, voilà. Donc, tout, au fait, voilà. Mais quand on parle de résilience, c'est ça, hein. Ouais. Christophe, avant de commencer cette émission, vous m'avez interpellée sur le fait que vous étiez peut-être, à part Marc, le seul homme, enfin vous étiez le seul homme ce plateau à témoigner. Et je sais à quel point c'est important, à travers votre présence, de dire que les hommes aussi peuvent être victimes d'esclavage moderne. Apparemment, oui. Ce qui a été votre cas. Exactement, oui. Oui. C'est quoi votre rêve, à vous ? Mon rêve, à la base ? Ouais. Enfin, c'était de fonder une famille, déjà, et de vivre bien, quoi. Et de devenir boulanger ? Ouais. Bah, à la base, c'était pâtissier, mais comme ils avaient déjà un pâtissier, je suis passé boulanger. Donc, pour devenir boulanger, il a fallu faire un apprentissage voilà. Et trouver donc des patrons. Exactement. Vous les avez rencontrés comment, ces patrons ? Enfin, sur une annonce, en fait. Ouais. Mon papa, il a trouvé une annonce sur le journal. Ouais. Du coup, on a été les voir, et puis ça s'est très bien passé. Et puis, on a pris un rendez-vous, justement, pour voir comment ça allait se passer, ouais. Pour le CAP et tout ça, pour l'apprentissage du moins. Ouais. Tout allait très bien. Ils vous ont installé comment ? Ils se sont occupés de votre logement ? Alors au début, j'avais une petite chambre, on va dire, à côté du congélateur du magasin, parce qu'ils étaient en train de faire... Dans l'arrière-boutique, quoi. Oui, ils me disaient qu'ils faisaient des travaux pour me faire une chambre nickel, bien... En fait, non. Mais je ne savais pas ça, donc du coup, je dormais là pendant le temps qu'il fallait. Mais vous aviez des bonnes conditions de vie pendant ces 2 premières années ? Vite fait, quoi. C'était pas non plus exceptionnel, mais ils essayaient justement de pas trop montrer, vu que j'étais apprenti, j'étais dans un lycée, on sait jamais si j'allais raconter quoi que ce soit, donc je pense que c'est ça, ils ont voulu prévoir et anticiper la chose. Mais vous aviez une chambre, à côté du congélateur, c'est ça ? C'est pas une chambre, hein, c'est plus un lit de camp. Pendant 2 ans, un lit de camp, une fenêtre ? Voilà, une fenêtre, une douche, un lavabo.
un lavabo qui tombait en ruine, mais c'était un lavabo. Quoi. Ouais. Mais moi, je m'en contentais. Quoi. Oui, vous étiez jeune, vous disiez que c'était jeune, l'occasion mais... d'apprendre. Moi, ce que je me disais, c'est que voilà, mon père m'avait trouvé quelque chose. J'étais ouais. sur les rails, il était fier de moi, donc moi, j'étais content. D'être j'étais à la hauteur de ses espoirs. Ouais, exactement. Je comprends. Après ces 2 ans d'apprentissage, il s'est passé quoi? Là, c'était plus complexe. C'est-à-dire que... on a voulu faire un contrat, mais à l'amiable, apparemment. Ouais. J'ai rien qui est signé, rien du tout. Mon patron fait ça avec mon père. Du coup, j'étais pas du tout au courant que c'était pas du tout écrit, c'était juste verbal. Oui, il dit quoi? C'est un contrat pour vous embaucher? Voilà, c'est ça. Et que moi, j'étais pas au courant. Enfin, j'ai rien su, en fait. Mmh. J'ai rien su. Du coup, je suis passé ouvrier. Mais moi, j'y connaissais rien. Donc, du coup, j'avais une fiche de paye... j'avais pas la fiche de paye, mais mon père avait la fiche de paye avec une enveloppe. Et moi, tous les mois, j'avais un billet de 50 ou 100 euros. Tous les mois. 50 à 100 euros. Ouais. Mais là, c'était après l'apprentissage, on est d'accord. Mais alors, vous faisiez quoi après l'apprentissage, donc après ces 2 ans? Je travaillais tout le temps. Vous travailliez tout le temps, mais vous faisiez quoi? Ça dépassait totalement le cadre de vos fonctions? Complètement. Ben, je me levais à 3 h du matin, je finissais à 13 h, on reprenait à 16 h, on finissait à 22 h. Et l'hiver, je faisais leur maison, je nettoyais la piscine, je plantais des sapins pour Noël. C'était sympa. Là, j'apprenais des choses, hein, mais pour moi, c'était instructif, quoi. Mais je comprenais pas trop, en fait. Ils m'offraient des vêtements, et ils m'invitaient au restaurant. Ils étaient gentils. Me taper, c'était... Ils étaient gentils avec vous. Un jour sur deux. Vous subissiez de la violence, vous aussi? Ouais. Ah oui, bien sûr. C'était la manipulation, c'était un jour ça va aller très très bien, le lendemain ça va être catastrophique, au point de me donner des coups et tout ça, le lendemain ils vont vous offrir au restaurant et puis vous amener à la maison avec la piscine et tout, et puis le lendemain c'est rebelote quoi, et tous les jours comme ça. C'est ça l'emprise? Oui, c'est ça l'emprise. C'est un vrai système. Hein. On a entendu ça aussi avec vous. C'est un vrai système. On commence par séduire. C'est-à-dire qu'on va offrir ou des bonnes conditions ou socio-économiques ou d'apprentissage. On a l'impression qu'on est dans l'empathie. Après, il va y avoir de l'isolement. Alors, ça peut confisquer les papiers d'identité ou ça peut aussi isoler de la famille. Hein, comme vous ne pouvez plus les appeler. Et puis après, c'est l'enfermement. Alors, soit un véritable enfermement comme on voit où il y a de la violence physique et psychique, ou alors effectivement ce système d'emprise où c'est l'horreur un jour sur deux. Donc on pense toujours que ça va s'améliorer. Et on sait jamais psychologiquement. Voilà, ouais. C'est ça. C'est le pire parce que moi j'étais petit, j'étais naïf. Et du coup, moi j'avais pas mes parents derrière. Ils disaient que je restais à Arcachon parce qu'il faisait super beau, donc je prenais mes vacances là-bas, alors que pas du tout. Je travaillais toujours. Vous étiez jeune en plus pour se rendre j'étais compte. J'étais jeune, ça a duré jusqu'à 21 ans. Oui, enfin, vous êtes très jeune à 21 ans. Oui, j'avais 18. Ouais. Il y a Gabriel qui nous écrit, qui nous dit qu'il sort d'apprentissage et qu'il a vécu la même chose sur vous. Alors évidemment, à un moment, on tombe vraiment dans l'enfer, puisque vous avez... Ça ne rend pas compte, en fait. C'est presque tous les jours pareil. Quoi. Donc on se dit, tant que j'y suis, continuons. Quoi. On verra bien ce qui se passera. Quoi. Jusqu'à ce que vous frôliez la mort, Christophe. Ouais. Vous me racontez ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, un matin, le patron, il est arrivé au fournil. Ça s'appelle le fournil, là où on travaille. Et j'avais mal fait ce que je devais faire. Et il m'a foutu un coup de poing dans la figure. J'avais la lame à la bouche, comme on fait d'habitude. Parce qu'il m'avait montré comment on portait la lame pour justement scarifier le pain. Et il m'avait montré comment la poser. Et moi, j'avais fait pareil que lui, parce que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était nouveau, donc du coup, j'ai fait pareil. Il m'a foutu un coup de poing, j'étais en sang, mais j'avais la lèvre ouverte. Du coup, il m'a foutu dans le congélateur, enfin, dans la chambre froide, parce qu'il y avait les gendarmes qui venaient le matin. Il vous a enfermé dans le congélateur. Pour pas que je voie les gendarmes, quoi. Donc, le temps que les gendarmes arrivent, j'étais dans le frigo en attendant qu'ils sortent. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, elle aussi s'est attaquée à vous. Oui, elle aussi, ouais. C'était les deux, en fait. C'était mutuel, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, elle, Christophe? C'était les brimades, mais c'est elle qui a porté le coup de grâce, quoi. C'était quoi, ce coup de grâce? Mais en fait, un matin, je finissais super tard, j'étais fatigué, il était 13 h. J'avais fait une matinée de malade, de 3 h à 13 h. J'étais crevé. Et je mangeais avec eux. Hein, tous les jours, je mangeais avec eux. Et à un moment donné, j'étais tellement fatigué que j'ai même pas entendu ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, tu manges pas ici
on n'est pas à McDo, tu mangeras mieux ce soir, va te coucher. Moi, j'ai rien entendu, du coup, je me lave les mains au lavabo. Il dit, mais t'es sourd ou quoi? Je me lève les mains encore. Je me retourne, elle me plante. Comment ça, elle vous plante? Ouais. Comment ça, elle vous plante? D'énervement. Elle a pas aimé que je parle pas, que je lui réponde pas, du coup, elle m'a planté. Mais elle vous a planté? Elle vous a planté un couteau? Ouais. Où ça? Mais entre le cœur et le... Oh là là, c'est pas vrai. Du coup, je me suis évanoui. Ah, bien sûr. Voilà, et quand je me suis... Enfin, j'ai vu ce que les gens voient, voilà. J'en parlerai pas là parce que, bon, c'est pas le sujet, mais... Vous avez après, vu mourir? Quand je me suis réveillé, en fait, j'ai pissé le sang. Et du coup, au lieu de m'amener à l'hôpital, ils m'ont soigné. Ils ont été à la pharmacie. Enfin, du moins, elle a été à la pharmacie chercher des pansements gélatifs. C'est-à-dire qu'il y a du gel à l'intérieur. Mais sauf que c'était tellement grave. Mmh. Parce que je suis resté 5 jours, hein, quand même, à la boulangerie. J'ai travaillé avec la blessure. Vous êtes resté 5 jours dans cet état-là, sans aller à l'hôpital? Non. Alors qu'on vous avait enfoncé un couteau dans le cœur, quoi? Ouais. J'aurais pu mourir, mais j'étais paumé, moi. Et du coup, ils m'ont dit, bon, on va te soigner, t'inquiète pas, c'est rien et tout. Et du coup, je suis resté 5 jours à travailler avec la blessure. J'avais mal, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Et à un moment donné, c'est rentré dedans. Le gel est rentré dans la cicatrice, ça a suppuré. Et à un moment donné, le matin, c'est le coup de grâce. Le matin, le patron, il m'a dit, mais t'as mal travaillé et tout, me prend un coup de pelle dans la figure. Et là, j'ai dit, c'est bon, si je reste ici, c'est mort. Je me suis taillé, j'ai tout laissé en plan, je suis passé. La seule chose qui m'a fait flipper, en fait, c'est qu'il m'a dit, tu recommences ça, je te défonce, je te tue. Donc, c'est la phrase qui m'a fait partir, en fait. Sinon, je serais toujours... Enfin... Pardon. Je serais plus là, quoi. En fait, tu as eu le courage de partir parce que moi, je ne serais jamais partie si elle ne m'avait pas mis. Mais c'est bien. C'est une phrase qui m'a fait, dire que si je restais, j'étais mort. Quoi. Vous avez eu le courage de partir. Voilà ce que pensent tous ceux qui nous regardent et que Aline exprime. Vous avez eu le courage de partir. Et après, la suite... Vous êtes fait soigner déjà? Voilà, j'étais à l'hôpital, mais j'ai juste pas voulu porter plainte en fait, à la base quand je suis arrivé chez les flics. Enfin, chez les gendarmes, en fait, ma première chose, ça a été de demander de porter plainte. Même pas pour la blessure, je pissais le sang, mais déjà, ils m'ont dit, tu vas à l'hôpital, à mon avis. Et puis, ça ainsi de suite, après, bon... Votre père, il lui avait dit... Voilà, on y arrive. Le problème, c'est que mes patrons ont appelé mes parents en disant que, vous inquiétez pas, votre fils va vous téléphoner en disant qu'il s'est fait mal, que je lui ai mis un coup de couteau. Oh. Mais en fait, non, c'est pas un coup de couteau, il s'est ouvert avec un ouvre-boîte, sans faire exprès. Vos parents l'ont cru? Oui. Ils vous ont pas cru, vous? Non. Malheureusement. Du coup, je suis pas retourné chez moi. J'ai été dans. Vous avez rompu les liens depuis cette. Comment? Vous avez rompu les liens? Ouais. Depuis ça? Ouais, mon père est décédé en 2012. Bon, après, je l'ai excusé, mais ça fait toujours mal, quoi. C'est vrai que ça me rappelle moi aussi, dans le sens où ma tante a été dit en Côte d'Ivoire que moi, j'étais partie de chez elle. Parce que je m'étais mariée et que j'avais eu des enfants. À l'époque, oui, c'est votre faute. Même quand vous êtes partie, c'est encore vous qui êtes coupable. Vous avez porté plainte, Christophe? Oui, j'ai porté plainte. Enfin, après, je ne me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai été gentiment installée au GEBA. C'est comme un chalet pour SDF. Et du coup, j'ai habité là pendant quelques semaines. Et après, il y avait l'infirmière qui venait, parce que j'ai eu des moments de l'hôpital. Je suis resté 3 mois à l'hôpital. J'ai eu une rééducation, je parlais plus, j'avais peur de tout le monde, enfin, j'étais pas bien, j'étais méchant avec les gens, parce que pour moi, tout le monde était méchant. Du coup, après, on m'a mis dans un centre de jeunes travailleurs pour me reprendre goût à la vie, surtout au travail. Mais c'était bien après. Bien sûr, mais il y a eu une peine contre eux qui a été prononcée. Je disais, il faut mourir, en fait, pour. Ils ont eu 6 mois en sursis. Tentative de meurtre, 6 mois. Vous, Amérique, vous prenez une pâte de pizza, vous prenez je ne sais pas combien de... Voilà. Ça n'a pas pu être qualifié tentative de meurtre. Ouais. Oui. Ça a dû... En fait, tout le problème, il faut bien comprendre que ce qui détermine la peine qui va être prononcée par un tribunal, c'est le choix que fait le procureur de la République sur la qualification pénale des faits. Un coup de couteau comme ça, c'est une tentative de meurtre. Bien sûr. Mais on peut aussi considérer que ce sont des violences avec armes. Et les violences avec armes, c'est plus un crime, c'est un délit.
et on encourt plus 20 ans de réclusion criminelle, mais on encourt 5 ans d'emprisonnement. Et donc, en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous qualifiez au rabais un comportement, les juges sont tenus par cette qualification. Donc, quelque part, les peines sont à l'avenant de la qualification qui a été choisie par le parquet. Et c'est un peu ça le scandale de toutes ces affaires, où finalement, on a l'impression que les parquets ont peur de se dire « Oh là là, est-ce que c'est moi qui vais commencer à initier ce genre de procédure ?» Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et si j'étais à la place de Christophe, je serais évidemment scandalisé et j'aurais un sentiment d'injustice profond. Vous avez toujours votre cicatrice ? C'est la vie. Hein. Et la cicatrice sur votre corps, elle est visible ? Oui, elle est visible. Du coup, je me suis fait un tatouage pour la cacher. Pour moi, psychologiquement déjà. C'est ce qu'on aperçoit là ? Ça fait tout le corps en fait. Et on a une photo, je crois, de votre tatouage. Mmh. Oh là 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 là. Moi, je vois surtout cette petite merveille. C'est votre fille. Iliana. Qui se repose sur le phénix. C'est ça. Qui est son papa. Mmh. C'est ma princesse, mon diamant. C'est ma raison de vivre. Mais je voulais une petite fille, donc je suis heureux, quoi. Mmh. Vous êtes très, très touchant, Christophe. Merci. Ça fait 20 ans, qu'est-ce que vous êtes venu nous dire sur ce plateau? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent? Déjà, je voulais dire en fait qu'on peut s'en sortir, mais il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont attentionnés dans le bon sens du terme. Et je pense que d'en parler, ça fait du bien aussi, ça permet de passer à autre chose. Et d'aider d'autres personnes aussi. Il y a votre ex-compagne Aurélie qui nous a envoyé un message qui va s'afficher derrière nous. Alors, en fait, pareil, il est encore dans le bas d'écran, mais elle nous dit à quel point elle est... Vous êtes aujourd'hui un homme et un papa bien. Et à quel point vous avez une merveilleuse petite fille et que vous êtes un homme merveilleux aussi. Un courage. Moi, c'est encore le mot que je retiens, ce courage. Ce courage chez Aline, ce courage de venir 20 ans après continuer à en parler pour que ça n'arrive surtout plus. Oui, oui, c'est vrai. D'abord, vous avez raison, c'est important d'en parler pour vous, d'abord. De pouvoir en parler, surtout, voilà. La force d'en parler, c'est important. Oui, c'est important parce que du coup, vous pouvez être accompagné, comme vous dites, par des personnes bienveillantes. Et c'est aussi important d'en parler pour communiquer là-dessus, pour justement ce soit plus, vous ne soyez plus des invisibles et qu'on puisse en parler, en prendre conscience, ne pas, puisque finalement, si on ne voit pas, on est tous un peu responsables. Donc, en parler permet d'en prendre conscience, permet de plus être aveugle à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Zita, je me tourne vers vous parce que vous aussi, vous êtes un visage parmi ces invisibles, mais une figure quand même de cette cause dont nous parlons aujourd'hui. Vous vous battez aujourd'hui pour aider d'autres victimes. Vous êtes originaire des Philippines. Vous aviez 32 ans lorsque vous êtes, on va dire, lorsque vous avez rêvé d'une nouvelle vie, on peut dire ça, Zita ? J'avais 32 ans quand j'avais rêvé une vie meilleure. Parce que je pensais à mes enfants. Oui. Je viens dans une famille pauvre, en fait, vraiment au sous de la pauvreté dans le pays. Et je disais, je ne peux pas laisser que mes enfants vont vivre ou alors vécu la même chose que moi. Donc, comme je n'avais pas terminé mes études, à cause de déjà le manque de moyens. Mes parents ne peuvent pas financer mes études. J'ai décidé, je vais partir à l'étranger afin que je puisse essayer de trouver justement ma chance. Donc j'étais dans une agence. Mais pendant que je cherchais déjà les pistes pour partir, j'ai croisé une dame. Elle vous a demandé beaucoup d'argent, cette agence? C'est pas l'agence, en fait, qui m'avait demandé. J'ai croisé une dame qui était recruteuse, une agente, qui m'avait proposé, vous voulez partir à l'étranger, pourquoi pas aller en Europe? Donc, je disais... En Europe, c'est quoi l'Europe? J'ai habité dans un village, je ne sais même pas ce que ça veut dire déjà les autres pays à part les Philippines. On n'a pas de télé, il n'y a que la radio où on peut entendre justement les informations. Donc il a dit, si en Europe, on peut aller à Paris. Si vous cherchez de l'argent, l'argent il est là-bas. Donc vous avez
finalement, vous êtes partie là-bas et vous êtes arrivée à Paris, en France. Je n'étais pas arrivée tout de suite parce que finalement, l'organisation de mon voyage était... c'était un voyage... c'est un voyage pas direct. C'était un long périple. Voilà, c'était un long... j'avais découvert déjà, on était déjà à l'aéroport. Et ils nous avaient donné nos passeports. On était 9 dans le groupe. Et quand ils m'avaient donné mon passeport, j'avais vu que le visa s'arrête en Hongrie. Et j'ai posé la question parce qu'il était avec nous, il est parti avec nous jusqu'à Hongrie. Et j'ai posé la question, pourquoi le visa jusqu'en Hongrie alors que vous nous avez promis d'aller partir jusqu'en à Paris, à Paris. Et il m'a dit, non, tu ne poses pas de questions, on aura de visa pour aller jusqu'à Paris. Mais malheureusement, en arrivant à Amsterdam, je crois, on était arrêté par le douane. Déjà là-bas, on était mise dans sa rétention provisoire. Alors, je comprends bien que ce périple a été très, très, très long et très périlleux. Ce que je voudrais que vous me racontiez, Zita, c'est cette famille que vous avez rencontrée en France et qui vous a fait vivre un cauchemar aussi. Qu'est-ce que vous avez subi, Zita, dans cette famille? Et est-ce que vous aussi, vous avez été victime d'esclavage? Et de quelle manière? J'étais victime de l'esclavage, mais pourquoi j'ai raconté le voyage aussi? Parce que j'étais aussi victime de trafic d'êtres humains. Oui, bien sûr, c'est je sais. C'est très important de dire. Oui. Trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains. Et en fait, en tant que victime, et de tomber à nouveau, en fait, de victime de l'esclavage, c'est ça, en fait, qu'il faut aussi mettre en lumière, parce que ce n'est pas facile. On se retrouve dans les conditions pas possibles, dans les conditions lesquelles c'est pas humain du tout. On les traite comme des chiens, comme des animaux. Et c'est très difficile. C'est vrai qu'on rêve, derrière, on rêve d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Mais en fait, le voyage que j'avais eu, en fait, il y a une grosse de l'argent, ensemble de l'argent derrière aussi. Donc pourquoi je raconte tout ça? Je comprends. Parce que c'est important, ça arrive encore jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Et ce trafic d'êtres humains et ce trafic d'humains, c'est ça que vous êtes devenu. Voilà, et qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Mais je ne regrette pas de raconter à nouveau mon histoire, même si c'est blessante, parce que c'est très difficile de revenir en arrière et de raconter encore, de rafraîchir aussi ce qui s'est passé par avant. Mais c'est important, même si on est victime, moi, j'ai promis à moi-même que je vais tourner la page en tant que victime, mais être utile avec les autres. Mettons une lumière devant les invisibles, ça j'ai appelé toujours, parce que c'est quand même un combat que j'ai déjà à commencer à faire et que j'irai jusqu'au bout aussi. Pour ouvrir aussi les yeux, si c'est possible. Utile, vous l'êtes aujourd'hui. Un courage, tout le monde le note aussi et le souligne à quel point vous êtes courageux. Pardon. J'encourage le service public aussi à aider les victimes comme nous, qui a déjà commencé le chemin à parcourir, afin qu'on puisse, même si on n'arrive pas à s'arrêter, mais... le souhait, c'est vraiment d'arrêter le phénomène parce que ça détruit l'humanité. Ça détruit les invisibles déjà qui n'osent pas dire des choses. Donc je pense que porter la voix de ces invisibles, c'est très important et ça les faire sortir dans l'ombre. Vous aussi, vous avez subi l'enfer dans une famille qui, a priori, se montrait sous son meilleur jour, qui, au départ, était très gentille avec vous? Au départ, c'est très gentil. J'ai entendu avec les histoires des de Christophe autres, là tout à l'heure. C'est toujours commencé comme ça. Ils vont vous payer normalement au début. Ils vont vous offrir des choses et que quelques années plus tard, ça commence le misère. Moi, il m'avait promis de faire régulariser ma situation en prenant mon passeport. C'était
en fait, dans mes oreilles, c'est bien, je peux enfin partir voir ma famille et tout. Et 200 plus tard, je trouve mon passeport dans un tiroir caché. Et quand j'avais posé la question, le monsieur se met en colère et qu'il a même jeté une chaise. J'ai presque. Vous êtes partie après ça? C'est brutal. Vous avez pu partir? En fait, le lendemain de ces violences, j'ai plus envie de repartir au travail. Et puis, quelques mois plus tard, il y a une amie qui m'a appelée. Apparemment, elle avait croisé l'enfant que j'avais gardé à l'école. Et elle avait posé la question, il est où Zita? Je ne voyais plus. Zita, il ne venait plus parce qu'il a volé les bijoux de ma mère. Et là, ça m'a vraiment explosé. J'ai contacté mon ex-employeur en lui disant pourquoi vous racontez aux enfants que j'ai volé des bijoux chez vous, alors que ça fait 4 ans, j'ai travaillé 4 ans chez vous, j'ai traité vos enfants comme les miens, et c'est comme ça c'est comme ça que vous donnez l'image lesquelles j'avais offert avec vos enfants. Et il m'a dit parce qu'il te demande tout le temps et que je ne sais pas quelle raison je dois. Pardon Zita, parce que l'heure passe vite néanmoins. Vous les avez assignés en justice plus tard, ce couple-là? Il y a eu un procès? Oui, il y a eu un procès. Et de quelle peine ils ont écopé? Quelle peine a été prononcée à leur encontre? C'est le travail dissimulé, déjà. Je n'étais pas payée. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi sur la traite d'humains. J'explique, Zita. Oui. En fait, ce n'est pas du tout une procédure pénale. On a initié une procédure devant le Conseil des prud'hommes, qui est la juridiction qui connaît des litiges entre les employeurs et les employés. Donc, elle a fait reconnaître l'existence d'un travail dissimulé, puisqu'elle n'était évidemment pas déclarée. Et elle a obtenu, j'ose espérer, gain de cause devant le Conseil des prud'hommes, qui, dans ces cas-là, évidemment, ne prononce pas de peine, mais alloue des dommages et intérêts. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de ce traumatisme, Zita? Est-ce que vous êtes sortie de ce... Ou est-ce que ce sont des traces indélébiles en vous? Sortie, oui et non. Parce que, dans un contexte, je continue quand même à lutter grâce à cause, on peut le dire comme ça, à cette expérience. Même si c'est blessant, je continue maintenant à lutter le phénomène, à aider déjà à sortir les autres afin qu'ils se retrouvent dans une vie normale. Et vous aidez les autres, et c'est comme ça que vous vous en sortez aussi psychologiquement et que vous réussissez à avancer. Aux côtés de Dominique, vous avez écrit un livre sur ce sujet. J'ai écrit 4 livres, oui. Tu es libre, le dernier c'est Tu es libre. Je crois que c'est le dernier, oui. Pour les enfants, il va être réédité, je suis très contente, en mai prochain, avec en plus toute une partie pour les enseignants, pour que les enseignants puissent parler de l'esclavage à l'école. Bayard va le rééditer. Donc ça, c'est vraiment bien. Oui. Et ça, c'est important, évidemment, cette pédagogie. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. J'aimerais également, d'ailleurs, remercier les associations qui se battent pour cette cause, le Comité contre l'esclavage moderne et l'association SOS Esclaves, entre autres. Vous pourrez retrouver sur Facebook toutes les coordonnées de ces associations. J'ai été très fière d'être à vos côtés, de pouvoir justement vous donner la parole. Parler au maximum, parler, c'est avancer, c'est faire bouger les lignes, c'est important. Et on va essayer de le faire également lundi dans cette émission, puisque nous allons consacrer une heure très forte sur le sujet de l'intersexualité. On en parle peu, mais vous aurez des témoignages. Vous allez voir qu'ils vont également faire bouger vos propres lignes. C'est très important d'être là, comme aujourd'hui, lundi à 14h. Je compte sur vous. Merci à tous pour votre fidélité. Merci pour votre gentillesse, pour votre sincérité surtout. Et à vous d'être fidèles à France 2. Passez une bonne après-midi et on se retrouve tout de suite et lundi.